Hey les gens, c'est Fab pour cette vidéo commentée en live, enfin non, en mode studio, désolé, en mode studio. C'est une vidéo spéciale en fait, elle est en mode studio parce que en fait, vous allez voir, elle est spéciale. Enfin, pas spéciale parce que c'était déjà fait, mais en vidéo c'est spécial. Bon alors je vais me prendre la clé mort, hein. J'en étais sûre. Alors... en fait, donc là je choque le L96 A1. C'est un bête de sniper. Enfin voilà. Alors je vais faire des fois des Goku scopes, mais des fois je vais faire des Beaux-Art scopes aussi. Enfin je crois bien si je me rappelle bien. Et donc voilà. Je pense que ça devrait vous plaire. Même si des fois je vais faire des beaux loupés, mais bon, le résultat et ça restera le même. C'était parfait de ma part, même je trouve. Donc voilà, même que je me suis même fait, ils ont été malins les adversaires, mais c'est pas grave. En tout cas, je les ai quand même eu. J'étais très content parce qu'en fait, j'avais prêté mon jeu, alors j'avais plus joué depuis longtemps. Première partie, je les ai, j'étais content. Je pense que vous savez de quoi je parle, mais donc vous verrez. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, je vais mourir. Je vais mourir pas beaucoup de fois, je crois, avant de les avoir. Je crois 7 fois, mais au moins je les aurai quand même. Je crois, non, c'est pas là où j'enchaîne les scopes, mais ce sera dans cette maison. Ouais, je me suis bien fait avoir. J'ai même pas eu le temps de l'ajuster, que j'étais déjà mort. Il m'a bien mis. Voilà, premier scope que j'enchaîne. Il était bien aussi celui-là. Là, deuxième télescope, il est parti, je le loupe. Donc là, dans le radar, j'en vois qu'il y en avait là-bas. Bon, là, regardez, là, je vais le louper. Plusieurs fois, même beaucoup, même, on s'est beaucoup loupé. Là, je le reloupe. Là, j'ajuste bien, je l'ai eu. Et là, lui, je loupe sur mes couteaux balistiques. Il arrive pas là-bas. Un petit coup de sniper. Et voilà. Alors, là, donc j'ai déjà débloqué mon coulé stratégique. Donc, je joue avec un placable, hein. Enfin, un petit coup de quête. Et donc, je joue avec un placable, donc c'est plus facile, mais donc ça me fait... Voilà, donc je suis à 4. Et voilà, donc pour l'instant, tout se passe bien. Un autre petit coup de quête, hein. Et donc, voilà, pour l'instant, ça se passe très très bien. Donc. Tout... exactement parfait comme je pense, comme je l'espérais. Donc voilà, là je vais prendre le drapeau. Ah non, même pas, je me rappelle même plus trop. Voilà, un beau petit scope magnifique, même je trouve super beau celui-là parce que voilà, on voit, il était beau je trouve. Bah dites nous même ce que vous voulez dans les commentaires. Voilà, laissez des commentaires, hein, sur ma façon de jouer si vous voulez. Donc vous mettez des commentaires, ça me fait plaisir. À moi et à Flo. Donc là, je vois que ça tire. Alors je regarde toujours pour faire les kills. Et donc là, je vais me faire un kill qui me débloque mon artilleur d'hélico. Alors vous pensez bien à la suite, après je vais continuer dans ma série. Bon là je vais avoir un petit coup de peur parce que je le loupe, je suis tout seul contre lui. Bon là il a la mitraillette, je vois, donc je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Et mon coéquipier l'a tué, alors donc ça me fait du bien parce que sinon j'aurais pu mourir. Et là donc là je trouve un AK-47 par terre qui va beaucoup me servir parce que donc là il me reste plus qu'un kill pour avoir les chiens d'attaque. Et donc il va me servir parce que voilà, vous allez voir. Alors, là donc il n'y a personne. Donc je vais bouger et partir par l'échelle. Et d'un coup, là, il n'y a pas là maintenant. Mais maintenant, je vois qu'il y a un ami, je tire. Et j'ai débloqué les chiens d'attaque. Et là, j'ai quand même un peu de chance parce que regardez, je débloque les chiens et là, comme par hasard, je me fais buter. La chance que j'ai. Donc là, je lance mes chiens. Donc.
Donc voilà, pour l'instant mes chiens ils vont me faire quelques kills. Bon là je vais quand même beaucoup plus mourir. Hein. Voilà, donc je vais passer peut-être un peu. Non désolé, je me suis trompée. Voilà, on va passer comme ça. Pour passer les chiens jusqu'à ce qu'ils soient plus. Jusqu'à que j'ai plus mes chiens. Donc voilà. Et on voit bien que mes chiens me font quelques beaux kills. Hein. Enfin, beaucoup de kills quand même. Pour des chiens. Et là, encore des coups de cut tranquillement. Et là, je lance mon Yui. Donc là, je remets à vitesse normale. Hein. Vous verrez pourquoi ils ont été très intelligents. Regardez, ils sont tous mis dans la maison. Mais quand je dis tous, c'est tous. J'ai pu en tuer, allez, on va dire 5. J'ai dû tuer 5 personnes, 6 même. Bon, allez, 6. Et voilà. Mais à un moment, ça m'énervait. Hein. Et bon, à un moment, ils vont quand même sortir. Enfin, il y en a que lui, je l'ai tué, lui. Et après, là, il y en a qui respawn là-bas. Lui, il sort. Je l'ai pas eu. Lui, je l'avais pas vu là-bas. Enfin, si, mais. Voilà, c'était celui d'en bas. Et là, on me détruit mon artilleur hélico. Et là, bon, bah, c'est la fin de. Donc, je vais repartir. Et ça va bientôt être la fin de la partie. Je n'ai même pas le temps de faire un kill. Je vais me faire buter. Je réapparais et c'est la fin de la partie. Donc je sais, puisque c'était en mode studio, il n'y avait pas de kickam. Hein. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. Donc j'ai eu les chiens. Abonnez-vous. Salut au snipe.